fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est, c'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait une heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Bah, Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Hey, ça va, arrête! J'ai dit non! Mais pourquoi? Parce que c'est un secret, voilà. Un secret? Ah? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça, à demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tous dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis un an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. C'est sûr, c'est un truc aussi grave que ça. Hey, salut. Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très... comment dire? Conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah. Je voudrais que tu les aies si jamais... enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. Oh. C'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Hé, ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Oh, tant mieux. J'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça, le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais! N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula! Ben, vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'Amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Sceptique Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Sceptique Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial.
Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Ah ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un indice? Genre, c'est un secret sur machin ou sur bidule? La théorie de la tectonique des plaques. Allez, vas-y! Fais pas ton sphinx là! En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques. Mais tu m'énerves à la fin! Tu vas me dire c'est secret, oui ou non? Lou? Pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis sceptique Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Pas même toi, antibiotique. Tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bruit. Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypocoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypocoristique? Aucune idée. Hey, t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf? J'ai mon pipeau. Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, la version d'enfer. Mieux qu'à Aberroad. Zéro en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Waouh, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4... Carrément hypocoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Pour les super-héros? Pour les super-amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va?
Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande, avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre, notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Kerry Nations. C'était pour moi en fait. Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Hé, je l'ai vu, ces petits Avengers en fait. À la fin, ils déroutent les égouts pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le 3e truc? Ben, je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bœufs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh. C'est un secret.